Eh bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, les amis, aujourd'hui, ce sera une vidéo achat, donc achat Amazon. Donc, une commande que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai attendu que la commande arrive aujourd'hui. Donc, il y aura d'autres commandes Amazon qui doivent arriver dans les prochains jours. Je vous en ferai une vidéo du détail. Et j'ai aussi, je vous ferai aussi cette semaine une vidéo Vinted. J'attends mes colis, j'ai des colis que j'ai commandés, des soundtracks en particulier. Je pense qu'il n'y a quasiment que de la soundtrack, donc j'en ferai une vidéo quand j'aurai tout récupéré, enfin quand j'aurai assez pour vous en faire une vidéo. Et j'attends aussi un colis d'une autre personne que j'ai acheté sur Facebook, donc j'attends que le colis arrive. Sûrement demain, à mon avis, qui arrivera, à mon avis, ou peut-être aujourd'hui, on verra. Donc ici, je me dépêche un peu pour la vidéo, parce qu'ici, j'attends une personne en fait pour une vente. Et du coup, elle arrive dans ici 20 minutes, donc j'ai le temps, il n'y a pas grand-chose à montrer, donc ça va aller vite. Et voilà, donc dans cette vidéo, on aura du CD, donc un album d'une chanteuse, enfin une musicienne que j'aime assez bien. On a également du Blu-ray avec des petites offres qu'il y avait sur Amazon, hein, des petites offres assez sympas. Et on a également un petit jeu vidéo, on va peut-être commencer par le jeu vidéo à la rigueur. Donc c'est un jeu en fait que j'avais, qui est sorti je pense en novembre je pense, ou en décembre, je sais plus exactement quand. Et c'est un jeu en fait qui n'était pas vendu non plus très cher, hein, il était vendu une trentaine, j'ai payé 28 euros je pense. Et c'est un jeu en fait que j'avais joué au troisième opus, j'avais pas trouvé ça transcendant. Et ce jeu-là, j'avais vu quelques tests, hein, quelques tests et quelques previews avant de l'acheter, et ça m'avait l'air plutôt sympa, donc je me suis dit, du jour où il sera à Amazon pour pas trop cher, vraiment c'est un jeu qui est vendu 40 balles de base, là il était sur Amazon à 28 euros, du coup je l'ai pris. Donc il s'agit du Sniper Ghost Warrior Contracts, voilà un petit jeu que je voulais au moins essayer, au moins me faire. Apparemment le jeu est assez sympa, donc de ce que je comprends c'est une sorte de jeu comme du sniper, hein, comme les Sniper Ghost, hein, tout simplement. Et un petit peu comme aussi les Sniper Elite, hein, où vous tirez, vous avez les éléments, enfin vous avez la petite séquence au ralenti là. Et apparemment celui-ci c'est une sorte, c'est pas comme le Sniper Ghost Warrior 3, c'est un open world, c'est tout simplement, apparemment il y a 25 contrats sur 5 grandes cartes, chacune étant votre terrain de jeu personnel. Bon, je sais pas encore jouer donc je sais pas vraiment dire ce que ça donne, mais en tout cas j'avais vu des vidéos de gameplay, ça avait l'air plutôt sympa. Ça avait l'air d'être aussi assez pas trop linéaire, on pouvait un petit peu faire les missions de n'importe quelle façon, enfin de trucs un peu différents, donc je testerai ça. Prochainement, je sais pas quand, hein, parce que là j'ai plein de jeux à faire. Et là je pense qu'en PS4 je vais un peu me calmer parce que j'ai beaucoup de jeux à faire, donc il y en a pour un moment, donc voilà. Donc le petit Sniper Ghost Warrior Contracts, un petit jeu que je voulais me faire tout simplement, donc voilà, plutôt cool. Voilà. Ensuite on enchaîne avec un petit CD et après on terminera avec les Blu-ray. Alors ici je me fais une petite collection de la chanteuse Lindsay Stirling. Ça c'est marrant, hein, mais une fois j'avais acheté en brocante en fait, c'était avec X-Ray je pense, que j'avais acheté un CD de Final Fantasy, mais dedans c'était pas le bon disque. Et je me suis dit j'ai quand même écouté le disque parce que je savais pas trop ce que c'était. Et en écoutant, je me suis rendu compte que c'était Lindsay Stirling. Et j'ai écouté, je trouvais ça vraiment super. Donc au final, ici, je me suis m'acheter un petit peu tous les albums. Je sais pas s'ils ont sorti le CD Artemis, enfin l'album Artemis en CD. Parce que j'ai regardé sur Amazon et il y a que du téléchargement, il n'y a pas de CD. Donc ici, je me suis récupéré l'album Lindsay Stirling Shatter Me. Voilà. Je sais pas combien il y a d'albums de Lindsay Stirling. Pour le moment, j'en ai. Je pense que j'en ai trois pour le moment. J'en ai un autre qui va arriver dans une autre commande. Voilà, donc le Lindsay Stirling Shatter Me, voilà, ça c'est sympa franchement, les Lindsay Stirling. Si jamais vous n'avez pas trop écouté, je vous invite à écouter parce que c'est vraiment de la bonne musique. Hein. C'est très, très, très dynamique, c'est vraiment très entraînant. Ensuite, maintenant on va terminer avec les Blu-ray. Donc on a un total de deux Blu-ray et un coffret avec trois Blu-ray dedans. On va commencer à la rigueur par celui-là. C'est un film que je voulais voir, j'avais vu la bande-annonce. Ça m'avait l'air plutôt sympa. Donc là, je pense que je l'ai payé que 13,99 ou 14,99, je ne sais plus exactement. Donc je me suis récupéré le film Ma. Voilà, donc Ma, un film par les producteurs de Get Out et Halloween. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air plutôt sympa de ce que je
comprend, apparemment, c'est une personne, il y a une fille qui emménage à côté de chez elle, et tout simplement, la fille va demander, en fait, à la personne adulte, tout simplement, de leur acheter des boissons, de la bière et tout ça, et en gros, bah, elle va s'en profiter pour s'en faire de nouveaux amis, et apparemment, la personne, vous voyez là, Ma, bah, va être de plus en plus être obsessionnelle avec ces enfants-là, et apparemment, je pense qu'elle va les séquestrer, j'en sais rien, on verra. Voilà, donc c'est un film où je voulais voir, donc voilà, Ma, bon, quand même, 13 € 14 €. Après ça va, c'est pas non plus excessif, hein, quand on voit les prix maintenant c'est 25 balles. Ensuite un autre Blu-ray que je suis assez content d'avoir récupéré parce qu'il y avait une promo sur Amazon et je l'attendais de le trouver vers ces eaux-là parce que bah, j'avais pas envie de mettre 25 balles, quoi, ça me fait chier maintenant de payer mes Blu-ray 25 balles. Et là j'ai bah, sur Amazon j'ai vu qu'il est en promo à 12,49, donc enfin il était en promo il y a quelques jours, je sais pas si ici il est toujours en promo, mais il est à 12,49 et je l'ai récupéré. Bah, je suis assez content, je pourrais me le revoir. Parce que c'est vrai que j'avais été le voir au cinéma, j'avais plutôt bien aimé. Après, c'est vrai que mes préférés, ça restera les premiers. Voilà, donc il s'agit du Toy Story 4. Voilà, bah, sur Amazon à 12,49, bah, je trouvais ça très très correct comme prix, hein. Donc voilà, donc le Toy Story 4, voilà, qui reste un bon petit film, hein. Après, c'est vrai que pour moi. Ils auraient pu s'arrêter au 3, mais bon, ils en ont fait un quatrième. Après celui-là, le quatrième, pas dégueu non plus, quoi, il est plutôt sympa. Voilà, donc le Toy Story 4, voilà, plutôt cool. Et enfin, le dernier coffret, donc j'en ai ouvert un, parce que les CD se baladaient, et en plus avec le transport, le CD est un petit peu abîmé, donc ça fait un peu chier. Mais bon, tant pis. Voilà, donc en fait, bah, je n'ai jamais vu ces films français-là. Ici, je me commence un petit peu à acheter pas mal de films français, parce qu'il y a des films qui m'intéressent. Et celui-ci, j'avais vu quelques extraits auparavant. Et ça me faisait bien marrer et je l'avais pas encore. Donc il s'agit de l'intégrale des Tuches avec le 1, le 2 et le 3. Donc c'est marrant, hein. Tuche pas à mon intégrale. Apparemment c'est des films assez drôles, hein, avec pas mal de références, enfin pas mal de scènes cultes. Hein, donc on verra bien, donc je regarderai ça une fois. J'avais vu une fois dans un de mes caches, hein, mais c'était vendu 5 € pièce. Donc j'avais un peu la flemme de mettre 5 € dans le Blu-ray. Donc là, bah, le coffret me revient à 10 €. Donc il y a les 3 dedans, donc ça fait à peine du 3 € le film, quoi. Donc voilà, mais plutôt sympa pour ce petit Létuche. Hein, je trouve le coffret assez sympa, donc voilà. Plutôt content pour ce petit coffret. Du coup voilà donc les amis, ben voilà, ça se termine ici pour la vidéo d'achat Amazon. Il y en aura d'autres, hein, mais il faut attendre que les colis arrivent. Et donc voilà, donc les amis, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye à tous!